jeune, on pensait que ça n'arriverait jamais. J'ai voulu te revoir une dernière fois. Fouture du bonus. Juan, vamos. Ouais, mais faites quoi ici? Mais non, je peux pas, je travaille sur mon moment. Non, tout ça, non, je travaille, je vous rappelle plus tard. Ciao, non, ciao. ¿Dónde carajo estás? Alors Nadia, c'est moi. J'essaie de te rejoindre depuis ce matin et tu n'es pas là. Tu es où? Il faut que tu viennes qu'on parle, c'est important. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Oui. Serait-il possible que je revoie une dernière fois cette chambre? J'y habitais il y a 50 ans. Ah. Je retourne demain à Tel Aviv et ce sera probablement pour toujours. Oui, rentrez, il n'y a pas de problème. C'est vrai que c'est pas trop branché, mais... Vous ne devriez pas rester dans le noir. Le soleil fait du bien. C'est incroyable. Les meubles sont encore les mêmes. J'avais cette même table, mais elle était à côté de la fenêtre. J'ai passé ici 2 années formidables. Je me souviens, en été, il m'arrivait de dormir sur le parquet plutôt que dans mon lit. C'est drôle. Moi, je faisais la même chose cet été pendant la canicule. Et tous mes amis se moquaient de moi. Olympiade d'athlétisme. Ah oui, c'est parce que pendant ce temps-là, les athlètes, ils sont chez la cité, donc voilà, je suis une tasse. C'est votre mémoire? Oh, ouais. Les mémoires. On croit qu'on ne va jamais les terminer. Mmh. J'ai mis des mois pour écrire le mien. Encore sur ton mémoire? Il vient aujourd'hui? Oui. Bah, je te laisse là. Vous pouvez recevoir vos amis? Oui. Tout le temps. Vous pouvez décorer votre chambre. Ah oui, c'est vrai. Mais c'était comment la chambre quand c'était chez vous? Chez nous? J'habitais avec une amie, Myriam. Elle était tunisienne. D'ailleurs, elle est restée en France. Moi aussi, je suis partagée avec un Roumain et on s'amusait beaucoup avec lui. C'est pas vrai, mais où ceci? Oh, bonjour madame. Bonjour, salut. Bon, je vous présente. Elle est Sarah Elle vient d'Israël, elle a vécu dans cette chambre il y a 50 ans et elle va retourner définitivement, donc elle voulait juste visiter la chambre avant de repartir. Enchantée madame, je m'appelle Sophia. Alors, c'était comment ici à votre époque? Bon, je m'excuse de l'interruption, mais vous avez vécu ici, vous savez ce que c'est. Mais de mon temps, c'est pas si facile que ça de rencontrer des garçons. S'il vous plaît, vous pouvez faire un peu moins de bruit, j'essaye de dormir. Bon, allez les amis. Oui, il faut partir. Ah oui, c'est vrai, il faut préparer la fête pour ce soir. Ciao, Juan. N'oublie pas ce soir, 22h, tu viens? Je sais pas, je suis pas sûre. Allez, ça t'ira tout bien. On verra. Ok. Ciao.